Bonjour à toutes et à tous. Cette séance est consacrée pour les élèves de quatrième année sciences techniques, matière génie mécanique. Dans cette séance, on va aborder une application sur la flexion plane simple. Et plus précisément, on va prendre le cas d'une poutre soumise à une charge uniformément répartie. Afin d'atteindre dans cette séance les objectifs suivants. Premier objectif, c'est déterminer les actions mécaniques inconnues appliquées sur la poutre. Deuxième objectif, tracer les diagrammes des efforts tranchants et de moments fléchissants le long de la poutre. Et enfin, on va, déterminer, on va choisir le matériau convenable pour une poutre. Pour cela, on va prendre comme un système d'étude le baignoire à position réglable. C'est un système utilisé en BAC 2016, session principale, dans laquelle la montée et la descente. De baignoire est réalisé par une, par un, par une colonne télescopique commandée par un vérin électrique qui sont qui son qui sont dessin d'ensemble et représenté à la page suivante. La vis sans fin qui est en rouge, la vie sans fin numéro 11, colorée en rouge, est animé en mouvement de rotation par un moteur qui transmet son mouvement à la roue CUSE numéro 19, solidaire à la vis colorée en vert 24. La rotation de la vis 24. Et transformé en translation de l'ensemble coloré en bleu, formé par l'icro 23, la tige de vérin 2 et l'embout à rotule 1. Dans ce qui suit, on va s'intéresser à la résistance de la vis sans fin numéro 11. Qui est supposé solliciter à la flexion plane simple. La vis 11 est assimilée à une poutre cylindrique pleine de diamètre D égal à 16 mm. Pour simplifier l'étude, on va tenir compte uniquement des charges radiales. Donc, la vis est sollicitée à l'affliction plane simple. Sous l'action de la roue 19, supposée charge uniformément répartie, notée PTQ, et des réactions RA et R2 au niveau du roulement 12, successivement au point A et au point D. La poutre est modélisée comme suivante. Soit qu'on a quatre nœuds. A, B, C et D. Entre B et C, on a une charge répartie. Avec, on note que cette charge linéique, c'est une charge PTQ, c'est égal. 50 N par millimètre, que représente l'action de la roue 19 sur la vis sans fin 11. Et on a deux réactions. La première réaction, c'est due au roulement, au premier roulement au niveau du point M noté RA. La deuxième du au roulement au point D noté RD. On va travailler dans un, dans un repère orthonormé xy de centre A et on va prendre une sens positif sur le sens en t horaire. On va aborder maintenant le premier objectif, c'est-à-dire on va déterminer les réactions RA et RD. Pour cela, il faut que la poutre soit en équilibre. Pour avoir appliqué le principe fondamental de la statique, si on a la somme de force extérieure est égale au vecteur nul, la somme du moment de force extérieure autour d'un point A est égal au vecteur nul. Pourquoi on a choisi ici le point A? C'est un choix. Généralement on choisit le point où la force est inconnue pour faciliter le calcul. Avant de compléter, de compléter les équations, il faut d'abord rendre cette charge répartie a une force équivalente, telle que la charge répartie se trouve sur une distance BC, ça sera écrit sous forme d'une force équivalente. Notée, grand Q, c'est égal à la charge linéique Q, fois la distance BC. Et cette charge équivalente se représente au milieu de BC. Non. On peut continuer d'écrire les, les équations. Donc, La somme de forces extérieures soit soit est égale aux réactions RA au niveau de point A. La force équivalente grand Q plus la réaction RD au niveau de point D. Ça, on va le noter, c'est l'équation 1. Pour la somme du moment de force extérieure, c'est égal au moment de la, de la réaction Ra au point A, plus le moment de la charge équivalente au point A, plus le moment de la réaction au point D par rapport au point A est égal au vecteur nul. Ça, c'est l'équation numéro 2. Commençons par la projection de l'équation 1. L'équation 1, c'est une équation relative aux sommes des forces. Fois, la projection de force se fait suivant l'axe des y. Donc, toujours les efforts sont projetés suivant l'axe y. Pour la, la force RA, la réaction RA est dans le sens contraire que Y, sa projection devient moins RA. Pour la force équivalente grand Q est dans le même sens que Y, ce que nous donne plus Q. Pour la réaction RD, et dans le sens qu'au contraire que l'axe des y, c'est égal moins RD. Le taux sera égal à 0. Remplaçons maintenant la charge équivalente par son équation. La relation devient moins Ra plus Q. La charge unique. Voilà la distance BC. Moins RD est égal à 0. On va noter ça. C'est la troisième. Équation. Passons maintenant à la projection de la deuxième équation qui est relative au moment. Les moments sont toujours projetés autour de l'axe Z. On va commencer par la projection du moment de RA au point A. Par définition, le moment d'une force dans son point d'application est nulle. C'est-à-dire, le moment de RA au point A sera égal à 0. On va passer maintenant à déterminer le moment de la charge équivalente grand Q au point A. La charge équivalente grand Q c'est une charge par rapport au point A qui tend à tourner la poutre dans le sens positif. Par définition, le moment, c'est la force fois la distance. La charge se trouve à une distance par rapport à A est égale à AB plus BC sur 2. Donc, le moment... De la charge équivalente au point A, ça sera est égal plus la charge équivalente grand Q fois la distance AB plus BC sur 2. Passons maintenant à déterminer le moment de la réaction RD au point A, la réaction RD au point D elle tend à tourner la poutre dans le sens inverse, c'est-à-dire négatif. Le moment, la force RD est située à une distance AD. Donc le moment de RD au point A, c'est égal à moins RD fois AD. Da dans cette équation, on remarque qu'on a un seul inconnu, c'est le Rd. Donc, on peut déterminer Rd. Ce qui nous donne que Rd, c'est égal à la charge équivalente, grand Q, facteur AB plus BC sur 2, le taux sur AD. Remplacer, on remplace la charge équivalente par sa valeur. L'équation devient la charge linéique PTQ fois la distance BC, le taux facteur AB plus BC sur 2, le taux sur 2. Ce qu'on aura en application numérique, RD égale à 750 N. Revenons maintenant à la troisième relation pour déterminer le deuxième inconnu sur le RA qui devient égal. La charge linéique. Q fois BC moins la réaction RD. En application numérique, elle ne donne que la RA égale à 750 N. Après avoir déterminé l'étude statique, c'est-à-dire on a déterminé les efforts inconnus RA, les réactions inconnues RA et RD, on passe maintenant à la deuxième objectif dans laquelle on va commencer tout d'abord par calculer les valeurs des efforts tranchants et tracer leur diagramme. La poutre est formée par quatre nœuds, c'est-à-dire on a quatre zones. Commençons par la première zone, la zone AB. On prend une section quelconque. Une section S quelconque de centre G, si on isole la partie qui se trouve à gauche de la section, on remarque qu'on a seulement la réaction Ra dans le sens contraire que l'axe des Y, c'est-à-dire TY est -à dy égal à moins moins Ra, d'où TY sera égal à Ra. Égale à 750 N. Maintenant, on va passer à la deuxième section, c'est-à-dire zone. Euh, pardon, on va passer à la deuxième zone, c'est la zone BC. On va prendre une section quelconque, S de centre G, qui s'éloigne par rapport au point A d'une distance X. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. Donc, on a la réaction Ra et on a une charge répartie le long de la distance BG. Le long de la distance BG. Ce qui nous donne une force équivalente qu'on va noter. Q' avec cette force équivalente Q', ça sera égal à la charge linéique Q' fois la distance BG. Cette distance PG c'est égal à AG qui est X moins la distance AB qui est égale à 40. Donc pour cela, on va voir Q' c'est égal à Q facteur X moins 40. Donc l'équation de l'effort tranchant, ça sera égal à moins ra plus q' prime, qui est égal à x facteur x moins 40. On remarque ici, donc devient t y est égal à RA moins Q facteur X moins 40. Ça, c'est l'équation d'une droite linéaire. On va calculer. La valeur de dy au points extrêmes, au point B et au point C. Au point B, x est égal à 40 mm. On va remplacer la valeur de x dans cette équation. On va, on va trouver que dy au point B c est égal à 750 N. Maintenant, au point C, X égale à 70 mm. On va remplacer la valeur du X dans l'équation de Ty. On, va, on obtient Ty au point C est égal à moins 750 N. On va passer maintenant à la troisième zone, c'est-à-dire entre C et D. On va prendre une section quelconque de centre. De centre G. Si on va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section, on a une réaction RA et une charge répartie sur, sur la zone, sur la distance BC. On va donner ça à la force équivalente qui sera représentée au milieu de BC avec. La charge équivalente grand Q c'est égal à la charge linéaire petit q fois la distance BC. Ça ce que nous donne que t grec c'est égal à moins ra plus q BC. Donc t sera égal à ra moins q BC c'est égal à moins 750 N. Après avoir fait le calcul des efforts tranchants, on va passer maintenant au traçage de diagramme des efforts tranchants. Commençons tout d'abord par la première zone entre A et B. TY est égal à RA est égal à 750. C'est l'équation. D'une constante, la courbe c'est une droite parallèle à l'axe 10x qui passe par 750. Maintenant, pour la deuxième zone entre B et C, TY c'est égal à RA moins la charge unique Q facteur x moins 40, c'est l'équation d'une droite linéaire entre B et C. Au point B égale 40 mm c'est 750 newt. Au point C, X égale 70 mm TY égale moins, moins 750. Donc on va tracer la courbe entre ces deux. C'est une droite linéaire. Passons à la troisième zone entre C et D. d c'est égal à RA moins la charge unique PTQ fois la distance BC, c'est égal à moins 750. C'est l'équation d'une constante. Donc la courbe, c'est une droite parallèle à l'axe 10x à partir d'une valeur moins 750 N. Maintenant, pour, on peut déterminer le TY max qui est égal à 750 N. Après avoir déterminé le diagramme des efforts tranchants, on va passer maintenant à déterminer et calculer déterminer le diagramme des efforts des moments fléchissants. Commençons par la première zone entre A et B, soit une section quelconque S de centre G entre A et B. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la séquition. Qu'est-ce qu'on a? On a seulement la réaction RA. Donc on va chercher le moment de RA au point G. Cette force RA par rapport au point G, elle, et tourne la poudre dans le même sens, dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est égal à RA, la distance entre fois cette distance, c'est la distance AG qui est égale à, c'est une distance X, c'est la distance X. Donc, MFZ, c'est égal moins, plus RA fois AG, c'est-à-dire c'est égal moins RA fois X. Maintenant, on va terminer. Le moment dans les points extrêmes, au point A, X est égal à 0. Le moment fléchissant au point A, c'est égal à 0 Nm. Au point B, X est égal à 40 mm. On remplace X par sa valeur. On aura que le moment fléchissant à MFZB est égal à moins 30 000 Nm, ou bien c'est moins 30 Nm. Passons maintenant à la deuxième zone. O, c'est la zone entre B et C, c'est-à-dire on va prendre une section quelconque G entre de centre G entre B et C. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. On a la réaction Ra on a une charge répartie entre B et G. Donc, entre B et G, le point G s'éloigne d'une distance X par rapport au point A. La charge répartie, elle se trouve dans cette zone BG avec. BG, c'est égal à AG si X moins AB. La distance AB, c'est égal à 40. Pour cela, BG, c'est égal à X moins 40. La charge équivalente relative à, charge, à cette charge répartie, elle se trouve au milieu de BG. Elle se trouve au milieu de BG. Maintenant, on va calculer, on va déterminer le moment fléchissant de cette relative. Avec, pardon, avec Q prime, c'est égal à la charge linéique p fois la distance BG, c'est-à-dire Q prime soit, soit est égal à X moins 40. On va déterminer maintenant le moment fléchissant Pour cette tronçon. Donc, MFZ égale moins RA fois la distance X. Maintenant, pour la charge équivalente Q', c'est une charge qui tend à tourner la poutre dans le sens contraire. C'est-à-dire, c'est égal à moins, moins Q fois cette distance moins Q prime pardon fois cette distance qui est N demi de BG donc le moment du Q prime au point G c'est égal à Q prime fois la distance BG on remplace le Q prime par sa valeur l'équation devient moins RA fois X moins la charge linéique Q fois BG fois bg sur 2. Lorsqu'on remplace bg par sa valeur, l'équation devient moins ra fois x plus q sur 2 facteur x moins 40, le tout au carré. Maintenant, on va chercher, on va calculer la valeur de moment fléchissant dans les points extrêmes de cette zone. Au point B, X est égal à 40 mm. On remplace X par sa valeur, on aura le moment fléchissant MFZB est égal à moins 30 newton mètres. Au point C, X égal 70 mm, on remplace X par sa valeur dans l'équation, on aura que le moment fléchissant MFZ est égal à aussi moins 30. 1000, euh, moins 30 000 Nm, c'est-à-dire moins 30 newton mètres. On remarque que l'équation de, de MFZ, c'est une équation second degré. Donc sa courbe, c'est une branche parabolique. Pour cela, on va chercher l'extrémum de cette courbe. Pour chercher l'extrémum, de cette courbe, il faut voir le dérivé de cette équation. MF'Z est égal à 0. C'est-à-dire, ça, ce que nous donne que moins RA plus la charge lunique PTQ facteur X moins 40 est égal à 0. C'est-à-dire que X sera la réaction RA plus 40 fois la charge linéaire ptq sur p -t q. ce qui nous donne que x est égal à 55 mm. Une fois déterminé x, on va chercher le moment fléchissant dans cet point, au point x égal à 55 mm, c'est-à-dire, on va remplacer dans l'équation de MFZ le x par 55, on aura la valeur de moins 35 625 newton-millimètres. C'est-à-dire, c'est égal à moins 35,625 newton-mètres. Passons maintenant à la troisième zone, c'est-à-dire en entre C et D, on va prendre une section quelconque S de centre G. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. Le point G est situé à une distance X par rapport à A. On a une charge répartie sur BC. Donc on va rendre cette charge répartie à une force équivalente qui se trouve au milieu de BC. Cet point du milieu, on l'appelle I. Donc, la force, la, la charge équivalente, elle se trouve à une distance EG par, par rapport au point G, avec, on a cette charge équivalente Q, c'est égal, à la charge petit ptq fois la distance BC, et cette distance EG, c'est égal, à la distance AG qui est X, moins AB plus BC. C'est-à-dire, on aura EG c'est est égal X, moins AB qui est égal à 40 mm, plus 1,5 de BC qui est égal à 30, mais 1,5, 30 mm. Donc on aura x est égal, et g est égal à x, moins 55 mm. Donc, on va calculer maintenant le moment fléchissant. On aura le moment fléchissant de la réaction est égal moins facteur. Le moment fléchissant de Ra au point A, le moment fléchissant de, de, de Ra au point G, c'est égal à Ra fois x. Pour le moment fléchissant, de la charge équivalente qui tend à tourner la poutre dans le sens contraire, c'est égal moins la charge équivalente grand Q fois la distance IG. C'est-à-dire le moment fléchissant c'est égal à moins RA fois X. On remplace la charge équivalente par son équation, c'est égal moins la charge unique ptq fois BC, on remplace la distance et G, c'est égal à x moins 55. Ça, ce qu'on nous donne, qu donne que le moment fléchissant c'est égal à moins Ra fois x plus la charge linéique Q fois BC, le tout facteur x moins 55. Maintenant, on va calculer le moment fléchissant au point. C pour x est égal à 70 mm. On remplace x dans l'équation, on aura que Mfz au point C c'est égal à moins 30 000 mm c'est-à-dire moins 30 newton mètres. Au point D, X égal à 110 mm, on remplace la valeur de X dans l'équation. Le moment fléchissant MFZD c'est égal à 0 newton mètre. Passons maintenant au traçage de, de, de diagrammes de moments fléchissants. Commençons par la première zone entre A et B. MFZ, c'est égal à moins RA fois X sur l'équation d'une droite linéaire. Au point, on va commencer par le point A, X est égal à 0. MFZ c'est égal à 0, ça c'est le point A. Et au point B pour X égale 40 mm, on a MFZB, B égale moins 30 mm. Donc, c'est le on va tracer. Donc, voilà, c'est le point d'intersection. Donc on aura voilà, la courbe, c'est une droite linéaire. Passons maintenant à la deuxième zone, BC, Dès qu'on a l'équation de moment fléchissant MFZ, c'est égal à moins X, plus N demi Q facteur X moins 40 au carré au point B X égale 40 mm qui correspond à un moment fléchissant au point B, MFZ égale à moins 30 newton-mètres. Au point C, pour X, égale moins 70 mm, qui correspond à un moment fléchissant, MFZC, égale moins 30 newton-mètres. Maintenant, on va tracer le, la, la tangente de la courbe pour au point x égale à 55 mm qui correspond à un moment fléchissant, c'est égal à moins 35,625 newton mètres. Voilà la tangente de la courbe. Et voilà la branche parabolique qui passe par, qui est tangente à cette. qui est tangente. Et le voie complété, on, passe, on va passer maintenant à la deuxième, troisième zone entre C et D. MFZ c'est égal à moins LA fois X plus la charge linéique P fois la distance BC, le taux facteur X moins 55. Ça, c'est l'équation d'une droite. Au point C x égale 70 mm, MFZ égale moins 30 Nm. Et au point D, X égale 110 mm, MFZ D est égal à 0 newton Voilà, donc ça, c'est la courbe. Pour le moment fléchissant maximal, MFZ max sera égal à 35. 625 newton pour la valeur MFZ max c'est égal à 35,625 newton mètres maintenant on va passer à traiter le troisième objectif c'est le choix de matériau mais avant de choisir le matériau il faut calculer la valeur de la contrainte normale sigma maxi, c'est la contrainte normale maximale, c'est égal au moment fléchissant maximal appliqué sur la poutre, sur EGZ, sur le moment quadratique relatif à la poutre, sur V, sur la fibre le plus éloignée de la poutre. C'est-à-dire, la poutre est... D'une poutre cylindrique pleine de section circulaire, son module quadratique EJZ est pi fois le diamètre exposant 4 sur 64, et le fibre le plus éloigné V est égal au diamètre sur 2. Ça, ce que nous donne que EJZ sur V, ça sera égal pi fois le diamètre cubique sur 32 on va en revenir à l'équation donc la contrainte normale sigma maxi devient 32 mfz maxi sur pi fois le, 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 le pi fois le diamètre cubique en application numérique sigma maxi c'est égal 32 fois 35,625 10 puissance 3 sur pi fois le diamètre 16 au cube. Faites attention ici. La contrainte normale est exprimée en newton par, en newton par millimètre carré ou bien en mégapascal. C'est-à-dire, ça, ce que nous permet que le feu. Il faut utiliser que le moment. Fléchissant maximal, il doit être dans cette relation en newton millimètre. C'est-à-dire on aura sigma maxi est égal à 88,59 newton par millimètre carré. Passons maintenant à choisir le matériau convenable. Dans laquelle on va adopter un coefficient de sécurité, petit s est égal à 4. Pour choisir le matériau convenable, il faut respecter la condition de résistance. Cette condition de résistance égale, dit que sigma, maximum, sigma maxi, la contrainte maximal soit inférieure ou égal à la résistance pratique. Avec cette résistance pratique RP, c'est égal à la limite élastique RE sur le coefficient de sécurité PtS. Donc, pour faire le choix, il faut calculer le rapport la résistance pratique de chaque matériau. On commence par le premier matériau, c'est un acier non allié C25. Sa résistance pratique, RP, c'est égal la limite élastique, RE, sur le coefficient de sécurité, c'est-à-dire 350 sur 4, elle ne donne... 87,5 newtons par millimètre carré. On a dit, pour choisir le matériau, il faut respecter la condition de résistance. On a calculé sigma maxi, c'est égal à 88,59 newtons par millimètre carré. Si on compare la valeur de RP, qui sera inférieure à sigma maxi. C'est-à-dire, cette condition n'est pas vérifiée pour ce matériau. Donc ce matériau, on ne va pas le choisir. Passons maintenant au deuxième matériau. C'est un acier faiblement allié, 46CR2. On va calculer sa résistance pratique RE sur le coefficient de sécurité. C'est égal 400 sur 4 est égal à 100 newt par millimètre carré qui est supérieur à sigma maxi égal 88,59 newton millimètre carré. La condition de résistance pour, matériau, pour ce matériau est vérifiée. Donc on va choisir ce matériau. Passons maintenant le troisième matériau, c'est un acier fortement allié X2CRNI12. Sa résistance pratique RP est égale à 62,5 N par millimètre carré, qui est inférieur à sigma maxi. Donc la condition de résistance n'est pas, var... pas vérifiée le matériau n'est pas choisi. Et, fin, et pour le, 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 pour la, le quatrième matériau, c'est un acide fortement allié, X6CR13. De même, sa résistance pratique, ça sera égale à 55 Nm, qui est inférieur à sigma maxi. Donc la condition de résistance n'est pas vérifiée. Donc le matériau n'est pas... Choisis. Merci pour votre attention et au revoir.